Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine. Et pour bien poursuivre cette dernière, le grand barbu et moi-même allons vous proposer aujourd'hui pour cette petite revue spéciale Retour vers le passé la présentation du tout-puissant G1 Autobots Jetfire. Yeah! Donc sans plus tarder, je laisse la place tout de suite au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, plein de bisous les petits amis! Et voici, sans plus tarder, notre précieux Jetfire. Voilà. Sorti en 1985 pour la lignée Transformers. Donc à savoir, bien entendu, pour ceux qui connaissent déjà ce moule, hein, que Jetfire donc, est une redéco du Super Valkyrie Macross VF1S. Donc sorti auparavant, bien avant, donc par la compagnie Takatoku Toys, dont le jouet avait été créé par le designer Choji Kawamori. Voilà, excusez-moi pour la prononciation. Voilà un petit peu donc pour ce superbe mode jet, donc tout de plastique et de diecast vêtu, comme le voulaient de nombreux Transformers de l'époque. Voilà, l'époque des bons vieux jouets bien costauds, robustes et solides. Voici donc notre ami Jetfire sous son mode alternatif. Voilà, absolument formidable, et le mot est faible. Plus de 32 ans après, il reste toujours voilà, une merveille totale. Voilà, ce jet sous ses airs de Macross, absolument sensationnel. Je fais un petit tour du propriétaire. Ceux qui n'ont pas cette pièce ou qui ne connaissent pas plus que ça cette pièce, vraiment un must have dans toute collection Transformers qui se doit, surtout pour les fans de G1. Voilà. Magnifique petite tuerie absolue. Voilà, avec de nombreux détails, dont notamment donc l'intérieur du cockpit. Voilà, très très bien réalisé pour l'époque. L'ajout bien entendu du symbole Autobots et des couleurs donc plus adaptées aux jouets Transformers. En ce qui concerne voilà, les finitions, la peinture, les quelques autocollants. Vraiment du superbe pépère. Voilà, en ce qui concerne l'undercarriage. Donc ça va, contrairement à de nombreux autres Transformers blancs d'époque que j'ai, ou même plus récents, celui-ci n'a quand même pas trop jauni, a quand même bien résisté aux aléas du temps. Donc c'est quand même assez agréable à voir. Et puis, petit gimmick donc qui était déjà bien sympa de retrouver pour l'époque, c'est qu'on avait, vous voyez, ces petits panneaux là donc pour les trains d'atterrissage. On avait donc, vous avez des petits loquets qui permettent de déverrouiller les trains d'atterrissage. Une splendeur absolue. Alors en termes d'accessoires, nous retrouvons donc ces deux boosters réunis sur cette plaque là qui vient se greffer. Donc je les ai démontés exceptionnellement pour la revue. À la base, j'évite de trop y toucher parce que c'est vrai que ces plastiques là sont devenus un peu secs et cassants avec le temps, donc assez fragiles. Et à noter que sur le mien, j'ai toujours donc le clip de fixation, donc de façon à pouvoir locker le gun en mode bot. Donc voilà pour les deux propulseurs arrière. Nous retrouvons également deux jambières. Donc, qui se déclipsent en deux parties, hein, et qui viennent se greffer, bien entendu, donc
qui pour englober les jambes. Nous avons aussi ces parties-là, voilà, qui viennent se fixer sous les bras. Alors moi, par contre, j'ai un morceau qui est cassé. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de pâte à fixe pour faire tenir. Et puis donc, bien entendu, que serait Jetfire sans son Mega Blaster? Voilà un petit peu donc en ce qui concerne son arme plutôt imposante. Voilà, sur laquelle se trouvent encore les autocollants. Voilà un petit peu en ce qui concerne donc les accessoires. Et revoici notre Jetfire ou Skyfire avec donc les éléments de sa cuirasse assemblés pour le mode jet. Et le voici prêt à explorer d'autres planètes grâce à ses super réacteurs. Voilà. Un look vraiment super charismatique, menaçant, agressif. Il reste aujourd'hui encore pour moi vraiment impressionnant. Juste un superbe jouet, voilà, qui est venu rejoindre la collection Transformers comme quelques autres. Je pense au passage à Rodbuster, à Whirl, aux Insecticons Deluxe, voilà, qui n'étaient à la base pas conçus ni par Hasbro, ni par Takara. Voilà un petit peu cette merveille. Et petite photo de mes trois Jetfire réunis, donc à savoir bien entendu notre bon vieux G1 de 85, notre Classix Voyager, qui lui était sorti en 2006, voilà, et qui ne démérite pas, il fait toujours partie de mes petits chouchous. Et puis bien entendu donc la version Generation Freeling, voilà, le Leader Class, sorti en 2014 déjà, voilà, qui pour moi est l'un des plus bels hommages actuels à Jetfire. Si bien entendu, on oublie les third parties sorties aussi de leur côté. Et passons à présent à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, nous allons tout d'abord commencer par rentrer les trois trains d'atterrissage. Hop. Ensuite, vous prenez les jambes et vous les faites pivoter vers le bas et vous les loquez comme ceci. Vous séparez ces parties-là qui viennent former le pied et les talons. Là, je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Ensuite, vous soulevez cette partie-là, vous faites coulisser vers le bas, voilà, cette partie-là, comme ceci, vous soulevez ce petit volet-là, vous exercez une pression de façon à débloquer ce qui va venir former les bras. Quand c'est fait, vous faites passer le cucu, la tête. Vous mettez les bras en position. Vous repliez cette partie-là en deux. Une fois que c'est loqué, vous pouvez reclipser cette partie-là, vous soulevez les antennes et vous faites
un demi-tour de la tête. Vous venez ensuite rabattre cette partie-là. Lorsque c'est fait, vous faites un quart de tour de l'avant-bras et vous sortez la mimine. Un quart de tour et on sort la mimine. Ensuite, vous pouvez lui ajouter les canons qui viennent se placer sous ses bras. Comme ceci. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Jetfire transformé. Admirez juste le résultat pour l'époque. Un tel résultat est encore assez rare plus de 30 ans après. La finition générale de ce petit monstre est absolument magnifique. Il en impose grave. Et comme je vous le disais, donc vous avez cette petite pièce ici qui vous sert à fixer, hop, le canon de Jetfire. Voilà un petit peu pour la bête. Alors on va faire un petit traditionnel focus sur le visage du pépère. Voilà, relativement simple, mais là encore efficace. Il fait son taf. On reconnaît bien le personnage du dessin animé. Avec le cockpit que l'on aperçoit toujours ici. Voilà, translucide, le chest, les différents autocollants et ornements. Vraiment une magnifique pièce en de nombreux points, pour laquelle je suis toujours aujourd'hui encore absolument fan. Est toujours épaté par le soin et le travail qui a été apporté à cette figurine. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête avec une rotation intégrale. Nous avons le bras sur ratchet, donc qui permet une rotation également à 360. Nous avons la pupe Dove qui l'assure sans souci. Nous avons l'avant du bras que l'on peut orienter. Nous avons une pliure du coude. La main est fixe. Le buste est fixe. Pas de grand écart JCVD de par la transformation. Et nous avons quand même, voilà, des articulations au niveau des cuisses. Nous avons là encore les genoux sur ratchet qui proposent un angle absolument parfait à 90. Le haut des cuisses, comme vous pouvez l'entendre, est également sur ratchet. Et les pieds donc sont fixes, on peut simplement voilà, les ouvrir ou les fermer, mais ça n'apportera pas grand chose de plus donc, à la transformation. Alors on va remettre cette petite pièce là. Et le revoici à présent avec son pampan.
On voit qu'il est beau. Hein. Et dernière petite photo de famille de mes trois Jetfire réunis. Et c'est tout simplement du pur bonheur pour les rétines. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue sur ce magnifique et mémorable Jetfire. Voilà, souvenir impérissable d'une glorieuse époque. J'espère que vous avez apprécié cette revue, que voilà, cette revue vous a fait ressortir pas mal de souvenirs d'enfance et beaucoup de nostalgie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié également cette revue, tout comme moi, j'ai apprécié de vous la présenter. C'est vrai que ce petit père-là, voilà, c'est juste du pur plaisir, voilà, d'en parler. Un de mes chouchous, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette revue. Et puis, je vous donne pour ma part donc rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Passez un bon mardi après-midi ou un bon mercredi en fonction de l'heure ou la journée à laquelle vous regarderez cette revue. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures Transformers. Allez les petits amis, plein de bisous, bye bye, tchuss. Ma oui, tu es beau, c'est ça, prends la pause, oui, tu es magnifique, magnifique, mon petit Jetfire. Allez, laisse-moi faire des photos.